Les 73-51, Gilles, maître Jedi du Québec. Ah bah ça a été court et ça a été bon, mais ça a été court. Ah si, ouh, Santiago 7, waouh, 57 de mon côté. À ces envahisseurs, déjà qu'autrefois, au XXe siècle, ils envahissaient un petit peu partout dans le monde. Mais bon, c'était en bateau, on les entendait moins. Là, maintenant, c'est sur les ondes. Hachi! Oui, ils sont comme un cancer, hein? Ils sont comme un cancer. Oh oui! Hachi, trois coups! Bon, ça va, t'as fait un gros dodo, t'as pris un café amélioré, j'imagine. Oui, QSL, QSL. Ah, ben, y a pas de soucis, là, on fait avec, et puis, ils font leur petit trip, après ça, on fait leur petit trip, là. Ok. Bon, là, là j'étais en train de la sur Facebook. Bon, j'ai partagé là tes vidéos. Il me reste plus qu'à aller partager là sur le forum et puis ça sera bon. Voilà. Donc là, si je le fais pas à la minute, ça c'est pas grave. J'irai tout à l'heure. Tiens, ah, j'ai pas compris ce que tu as dit. Il n'y a pas de soucis, Rémi, il n'y a pas de soucis. J'ai un contact aujourd'hui. Ah ben non, t'es mon premier contact. C'est non, c'est t'es le premier que j'ai en fréquence. Non, juste avant ça, j'étais pris là sur tes vidéos. Donc déjà ce matin, une fois tout récupéré, j'ai lancé le travail de la première. Pendant ce temps-là, je suis allé faire dodo. Et là, tout à l'heure, à 15h, je me suis levé. J'ai de suite lancé le travail de la seconde vidéo. Et puis en suivant, bon ben voilà, hein, petit déjeuner, la salle de Karcher, la salle de bain, Hachi. Et commencer à partager, à mettre en ligne sur YouTube les vidéos, ceci, cela, plus partage et tout. Hein, et là, je prends le micro que juste un instant. Ouais. Et pourtant, j'ai entendu là tout à l'heure le petit renard qui avait l'air de te répondre, mais je suis pas sûr qu'il s'adressait au bon Christian, ou il a peut-être confondu. Mais bon, c'était très très QRP, donc il devait être sur directive à coup sûr. Oui, QSL, QSL. Ah ben, moi j'ai fait l'écoute, j'ai fait le tour de la galette un peu, et puis rien de bon là. J'ai lancé des appels au 555, et puis absolument rien du tout là, sur le côté de la langue française. Beaucoup d'anglophones, le Brésil, l'Italie, les États-Unis, dans tous ces coins-là. À part ça, là, c'est la première station française. Là. Moi, j'ai l'exclusivité d'être le premier à avoir, comment j'ai mis dans une vidéo, la capture d'écran. Ah oui. Oh putain, comment tu m'as grillé sur le coup là. Quand j'ai entendu le passage où tu remerciais tout le monde, justement pour les appels, les ceci, le cela, tout ça. Ah, il m'est venu une connerie en tête, il fallait que je la place, cette image là, j'étais plié de rire. Voilà, le maître des ondes. Oh oui, monsieur. J'ai rigolé, d'accord. Je me suis dit non, Rémi, enlève-toi cette idée de la tête. Trop tard, c'était fait. Oui, monsieur. Bon, là, par contre, ce coup-ci, j'étais un peu plus rapide.
Cette nuit, en mettant mon téléphone en modem sur l'ordinateur, c'est-à-dire en branchant Internet via le téléphone sur l'ordinateur, bon, je vais récupérer les petites vidéos. Il y en avait trois petites. Bon, celle-ci, j'avais commencé déjà à les travailler toutes, hein. Donc après, une fois rendu au QRA, j'avais plus qu'à ajouter la première vidéo pour la première vidéo. Là, qui faisait déjà 1h07, hein, oui, c'est ça, hein. Et puis après, dans la seconde, j'avais plus que deux fichiers vidéo à ajouter dedans, retravailler la dimension et puis envoyer roule. Ah ben tu m'étonnes. Oh, à propos de ça, attends, que j'essaie un peu. Ok, ça marche. Oh, ça passe dégueulasse de mon côté. Ouais, j'ai des soucis là de mon côté. À propos de vidéo, par rapport. Attends, j'essaie de faire deux choses en même temps, là ça coince. Non, c'est pas celui-là que je veux. Je suis en train de chercher le web SDR. Voilà, Montréal-Laval. Ok. Ouais, je vais mettre que celui-là parce que je suis pas sûr qu'il y ait. Ah, mais je passe de langue, ouais. Ah, cool! Et je suis en train d'apprendre que je peux faire du DX avec mon poste, que je peux attraper le Québec même avec mon poste. Ah, chi! Ouais, non, trêve de plaisanterie. Attends, parce que là, faut que je baisse le volume, là, pour le coup. Voilà. Alors, ok. Ok, voilà. Par rapport à la boutique que tu as là sur Facebook, la Bergen, je suis pas sûr d'avoir bien, mais ou Bergen, je suis pas sûr d'avoir bien prononcé le mot. Pour les postes qu'il y a dedans, qui sont chez toi, évidemment, pas ceux des autres, hein, ceux que tu as chez toi, que tu mets en vente dessus, que penses-tu de l'idée de faire des petites vidéos de démonstration? Tu les branches à tour de roue, tu fais simplement des QSO avec, tout simplement, hein. Et puis moi, après, derrière, je te fais un petit montage, là, vite fait, avec ça. Mais, toi, tu les utiliserais comme tu utilises celui-là là en ce moment même, de la même façon, quoi. Sauf que bah, tu le poses à plat sur le bureau, au parleur de brancher dessus et tout, tac, bon, voilà. Et juste en guise de démonstration pour montrer le bon fonctionnement et tout, là, du poste, quoi. Que penses-tu de cette idée? Ah ben alors là. Allô Houston, nous avons perdu le Québec. Bon, d'accord. Je suis en train de faire une petite vidéo. Je suis en train de faire une vidéo de toute façon de mon côté. Donc tu auras la traduction en regardant la vidéo. Ok. C'est pas grave, tu pourras voir ça quand j'aurai travaillé la vidéo. Ah, ok, t'as eu QSL, t'as eu Roger de ce que j'ai dit. Donc, que penses-tu de cette idée du matériel que tu mets en vente au niveau des postes, surtout de ça que tu mets en vente, de faire des vidéos de démonstration, simplement faire des QSO avec, pour montrer, pour que tu montres aux gens après sur la boutique comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? À garder ou à jeter? Bon, c'est pas grave, je te ferai un dessin. C'est pas grave, je te ferai un dessin. Alors, ce bout-là, je n'ai pas entendu que ça arrive dans le QSP, là. Ça arrive dans le mouvement de mon radio, là, puis ça n'a pas bien passé, là, pour que ça vienne pas à table, mais c'est pas grave, il va regarder la vidéo.
Celle que je suis en train de faire là de suite, hein. Donc, tu la verras dans quelques heures. Ouais, il n'y a pas de souci, hein. Je te fais. Tu verras mon commentaire dedans. Je te refais une petite démonstration là vite fait. Je te referai une petite démonstration vite fait de ce qui est possible de faire. Mais tout sans rien de compliqué et tout, hein, au niveau de montrer les postes que tu vends là dans Bergen. C'est juste le truc le plus simple possible, montrer son fonctionnement et puis c'est tout, quoi. En faisant des QSO à droite à gauche, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Mais bon, vu comment ça passe de ton côté, t'écouteras ma vidéo. Faut que je te refasse une petite vidéo de démonstration au niveau montage du vidéo, ce qui est possible de faire, par exemple, une idée comme ça. Je te mettrai tout simple là. Et moi, je suis en train de mélanger les crayons. Ouh, il est parti là. Ouh, c'est QRP. Il est où? Il est où? Bon, en plus aujourd'hui là j'ai 3-4 points de QRM. Bon, ça va, tout à l'heure, jusqu'à maintenant j'étais à 5 points de QRM. Bon, ça a baissé un petit peu. Mais bon, c'est pas encore j'allais dire c'est pas encore le Pérou, non, c'est pas encore le Québec. Là, c'est un simple bip là, que j'ai entendu. Pourtant, il m'a semblé reconnaître ta voix. Ah, ok. Là, j'ai entendu le double bip. Ok. Non, c'est vrai que là, là aujourd'hui, c'est pas terrible, hein. Et justement, tiens, en regardant l'activité solaire là sur la page Facebook, la Solaram, effectivement, l'activité solaire est plutôt sur les côtés du soleil, donc pas grand chose ou moyennement dirigé vers nous, quoi. Il faut, tu devrais dire au soleil que ces éruptions de soleil, là, ces envois de... Alors, je sais plus, j'ai oublié le nom, c'est pas du magma, parce que le magma, c'est pour les volcans. Mais sur le soleil, là, les éruptions solaires qui se font, là, qui partent comme ça dans l'espace. Et il faut dire au soleil, Gilles, qu'il faut que ça soit dirigé que vers la Terre, pas ailleurs. Ok, compris. Ok, bon, je vais me balader un petit peu en fréquence à droite, à gauche. Et ouais, bah, de toute façon, là, ici en France, il est 17h20 presque. D'ici une heure, de toute façon, là, je QRT, le temps de ranger le matériel et tout, ça attaque, après 18h30, je pars. Ok, donc, si je te recopie pas dans l'heure qui suit, eh bien, à plus tard sur Internet. Ok, bon, ça passe bien, c'est du 56 là. Dans une heure. Ah ben je serai plus en fréquence. Vous voudrez mieux pas pour moi que je sois encore en fréquence, sinon je partirai à la bourre au pro. Bon, pas de problème. La bonne occupation de ton côté. Le bonjour à tout le monde au QIRA. Et je te dis à plus tard sur Internet. Ah, j'ai eu du mal à te sortir. Pardon.
J'ai du mal à te sortir, ça fait le yo-yo de mon côté, hein. Et la fréquence n'est pas propre du tout là au QRA, puisque j'ai un QRM permanent là ici, bon, qui est pourtant pas très fort, ce qui m'arrive à 3-4. Mais ça suffit là pour avoir du mal à te sortir. Ok Gilles, je te laisse, les 73-51, et je te dis à plus tard. Ok, d'accord. Ben, dans le push, je suis pas avec mon push en ce moment. Donc, plus de Sibir mobile là, pour le moment. Et là, bon, là, je vais en profiter pour aller sur le forum. Voilà, pour voir les messages et tout ça, et partager les vidéos de ton côté. Ok, je te laisse, les 73-51. À plus. Merci, tous à retourner. Ah, il est là, le canard nourri, là. Ouais. Non, il m'arrive pas de mon côté, j'ai rien moi de mon côté. Il y a que ta grande gueule que j'entends ici. Il n'y a que le tanant que j'entends ici. Hachi. Il est où le tannant? Bon allez. Ça, c'est fait. Tac, je coupe le WebSDR. Hop, là, le DSP est en train de faire son job. Vu les messages sur internet, c'est la propague est un petit peu bizarre aujourd'hui, un peu partout. Alors, du côté des 40 canaux. Ça passe de suite mieux, quoi. C'est trop ça. Enfin, quoique, on descend en fréquence, hein, plus on descend en fréquence, et mieux c'est. Hein. C'est là où des fois je me pose la question, mais pourquoi le DX ne se pratique pas en inférieur? Bien souvent, c'est plus propre.
Ouf, je me suis trompé de fréquence. Non, mais je vais y arriver. Ok, la fréquence kilomètre est occupée. Oh, là, il y a du monde, donc... C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Alors, pourquoi personne... c'est quoi déjà la fréquence d'appel en inférieur? Alors, il y a ça, il y a les infos sur le forum La Planète Sibi francophone, rubrique générale, canaux et fréquence d'appel. Alors, 26-285. Ça fait sacrément bas, ça. Par contre, effectivement, on voit que c'est plus propre. Il y a un petit peu comment ça passe. Ça fait des années que j'étais pas venu surfer de ce côté-là. Désolé. Ah mais oui. Alors 27-625 qui correspond au canal 18. Il y a une petite histoire derrière ça par rapport au Québec, par rapport au 18 normal, qui fait que c'est le 18 sup qui avait été pris pour faciliter. Enfin bon, bref, c'est à Gilles qu'il faut demander les infos. Alors, le 18 inférieur, 26-725. Il y a quelque chose derrière. Bon, quoique, si, il y a quelque chose derrière. Non, c'est peut-être pas une bonne idée, ça. Bon, en tout cas... Mis à part sur certaines fréquences, on s'aperçoit que c'est plus propre en inférieur. Copain qui m'a parlé au Québec du canal 26 normal 27-265. Pas sûr que ce soit ce QSO là.
Non, rien à voir. Belfort, bon, vous voyez, il y a des Français qui viennent là. Il y a plus de Français qu'on ne croit qui viennent sur le canal 38 en Lima Sierra Bravo. Et le début des SUP là, et même en Lima Sierra Bravo. Enfin, là, c'est un mélange. Fréquence d'appel, la première en SUP. Okay, thank you so very much for answering the call. Wish you all the best. Cheers and beers for you, 73. Ah, si d'habitude c'est un bordel sans nom là, la propagande a décidé autrement. Et vous voyez, c'est au niveau des signaux, c'est nettement moins fort qu'en inférieur. Et même par rapport même aux 40 canaux normaux. L'idée des inférieurs est une idée à travailler, mais ça oblige à réaccorder les antennes. Il n'y a pas que du plus pour les inférieurs. Ou alors, faut être sur boîte d'accord dans ces cas-là. Parce que bien souvent, les gens règlent les antennes pour les SUP en zappant un petit peu les 40 canaux normaux. Ça, par contre, c'est un problème. Faut pas zapper les 40 canaux normaux. Si on a les SUP, en tolérance, c'est parce qu'on est juste à côté, quoi. Dans la blagounette, Gilles est parti ramasser des champignons. Par contre, il m'a montré des photos de neige chez lui. Oh la vache! Et bien, il ne voyait plus les voisins avec les monticules de neige qu'il y a. Et oui, quand ils déblayent les routes, ils envoient de la neige sur les côtés, quoi. Donc, chez les particuliers. Faut bien que ça soit mis quelque part. Bon, ben là, il n'y a plus rien. Ou pas grand-chose. La fréquence kilowatt. Ah! Moi qu'elle est lancée à paix, mais la fréquence est déjà prise. Pas grave. Ça sera pour une autre fois. C'est 73-51 à tous. 14 kilomètres. 33-01 Rémi. Dandy 33 sur le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. Il est où? Il est où? Pour quelqu'un qui devait QRT,
Il n'y arrivera pas. À bientôt, merci beaucoup, mon ami. 56. Ok, la station 73-51 à toutes les stations qui sont derrière pour le Québec Canada. Désolé si je ne peux pas prendre le micro pour tous en même temps. C'est vraiment dommage. Alors, je vous envoie toutes les poignées de main. Oh, j'ai une connerie à mettre là. Québec Canada. J'ai mon ami 14 Portal Potambour. 8-2-9. À toi le micro, mon ami. DSL pour l'Ouest de la France. C'est bien noté, mon ami. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça change de comment ça passait tout à l'heure. Manque quelque chose, là. Ah! Oui, DSL pour la pluie dans les jours à venir, hein. Nous, on a eu de la neige dans les jours passés. C'était quand même beaucoup de neige, là. Du coup, j'avais tout débranché. Oui, oui, c'est toujours là. C'est toujours là. Ça marche. Il est bien le réglage de ton micro. Là, on écoute sur le web SDR, Montréal-Laval. C'est dans le rouge, mon ami. C'est local. Moi, comme Claude le dit tantôt, c'est assis sur le rouge. Break. Thank you.
Je suis en train de le perdre. OM de la 14. Zut. A fait le yo-yo.
quelques petites secondes. Une station qui leur s'appelle à deux ou trois reprises, là. Est-ce que j'ai du mal à ressortir? Je vais prendre un petit verre pour faire suivre le service, s'il vous plaît. Hop, c'est en train de me fuir là. Bon allez, le temps de... Ce coup-ci, je vais couper là. Voilà qui était le mot de la fin pour la vidéo. Yeah.